Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Ah. L'instauration de la paix. Voilà ce que je peux répondre à votre question. La dernière question. Monsieur le Premier ministre, félicitations d'abord pour votre nomination. Vous avez répondu à ma première question, mais je voudrais poser une deuxième. Est-ce que vous avez une idée du délai pour lequel vous allez nommer une équipe gouvernementale? Et vous connaissez le protocole en la matière. Je viens d'être nommé. C'est un premier pas qui est fait dans le cadre de la formation du gouvernement. Il y a des consultations dans le cadre de la coalition qui se font pour arriver à déterminer la structure du gouvernement, la composition du gouvernement. Une fois ces consultations terminées, il faudrait à ce moment-là qu'on pourra déterminer le délai pour la formation du gouvernement. Je crois que nous tous les Congolais voudraient que cela se fasse rapidement. Et le président de la République, chef de l'État tout à l'heure, m'a assuré qu'il fera tout pour que cela se fasse rapidement. Merci beaucoup. Et à bientôt, on pourra se voir à d'autres occasions. C'est parti. Premier mot, le Premier ministre Ilunga Ikulamba, qui a été à la tête du COPIREP sous le mandat de Mme Jeannine Mabunda quand elle était ministre du portefeuille. Monsieur Ilunga Ikulamba vient de la Société nationale des chemins de fer du Congo, où il a occupé le poste de directeur général avant sa nomination au poste de Premier ministre. Je l'ai vu passer devant moi, je vous ai dit que moi je le connaissais déjà, je le savais, parce qu'avant, il est passé ici, il était accompagné par les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité. Ils sont passés devant moi, il a eu une longue séance de travail avec le président de la République avant l'annonce officielle par le porte-parole du président de la République. Eh bien, c'était bien lui, M. Ilunga Ikulamba, nouveau Premier ministre du gouvernement congolais. Il aura le temps de consulter sa famille politique et même au niveau de la coalition pour nommer son gouvernement qui sera investi par l'Assemblée nationale. Fini le suspense, le nom du Premier ministre est déjà connu. Très chers téléspectateurs, il vient d'être annoncé officiellement par les porte-parole du président de la République. C'est une grande nouvelle pour la République démocratique du Congo. Une journée pleine de rebondissements. Depuis le matin, nous y sommes ici, à la Cité de l'Union africaine, pour décrire pas à pas les déroulements de la journée. Avant tout, c'était la diplomatie avec l'audience accordée au ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, suivi d'un communiqué conjoint qui a sanctionné la bipartite entre la RDC et la France. Après, c'était le jeu de questions-réponses entre les chefs de la diplomatie française et la presse congolaise. Et cet après-midi, vous aviez suivi, c'est le porte-parole du président de la République qui vient annoncer officiellement le nom du Premier ministre. C'est bien M. Ilunga Ikulamba, qui était directeur général à la SNCC. Maintenant, il est élevé au niveau du chef du gouvernement. C'est une fierté pour la République démocratique du Congo, un proche collaborateur de Félix Tshisekedi, parce qu'après, juste avant sa nomination, il était reçu par le chef de l'État et il est sorti pour ses premiers mots prometteurs qui rassurent qu'il mettra le peuple au centre de tout jusqu'à Kusema. Ilunga Ilunkamba Sylvestre, voilà un nom qui devrait faire partie de nos habitudes. Ilunga Ilunkamba Sylvestre, professeur d'université. Il est de l'université de Kinshasa. Congolais Panda. L'aéroport de la Loano. C'est vrai qu'on a eu un peu de peine, beaucoup de peine même, il faut le dire, de bien lire les images. Mais heureusement, à l'instant même, on les voit arriver à l'antenne après beaucoup d'efforts de conversion. Racontez-nous un peu ce qu'a été cette matinée à l'aéroport de la Loano.
Alors, il faut dire déjà que petites heures du matin, par groupe de 10, de 20, de 100, la population a flué vers l'aéroport de la Loano pour réserver un accueil digne d'un fils du coin, Moïse Katumbi, après 3 ans d'exil. Et il faut le dire qu'on a mis 2 barrages, d'abord au niveau de la bifurcation pour filtrer les entrées, au niveau du péage, et 2 autres barrages. Après le péage, c'était à l'entrée du tarmac, et même au niveau du tarmac, il y avait encore un autre barrage, il fallait filtrer. Il faut dire que les services de sécurité, l'organisation ont été à la hauteur, malgré quelques imperfections, parce que contenir tous ces gens qui viennent, c'est pas évident. La place de la poste est trop petite. Là, à l'instant, le cortège se trouve aux alentours du carrefour maintenant, mais je vous dis que c'est pas facile. C'est plein, plein, plein partout. Il y a des vieillards, il y a tout le monde. Et si nous revenons à l'aéroport de la Loano, à l'atterrissage de l'avion, en fait, chaque avion qui atterrissait avant le jet qui transportait Moïse, c'était des acclamations. Les gens se faisaient prendre au piège. Voilà. Vous imaginez un grand cargo d'une compagnie de la place atterrit, les gens applaudissent, croyant que c'est l'avion qui transportait Moïse Katumbi. Il y a l'avion des compagnies qui opèrent sur Lubumbashi Kolwezi qui atterrit, on pense que c'est Moïse qui arrive. Mais finalement, quand il est arrivé, franchement, c'était, quand on a dit maintenant 11h42 minutes, l'avion se pose et c'était la liesse. Mais Moïse n'a pas pu saluer tous ceux-là qui ont fait une haie d'honneur pour l'accueillir, parce que sécurité oblige. C'était très très compliqué. C'était compliqué d'avoir une interview. C'était compliqué. Évidemment, il faudra le dire, il n'a pas fait plus d'un quart d'heure au niveau du tarmac. Il sortait déjà. Mais pour arriver au poste de péage, ça a pris du temps. Et je crois que c'est depuis, 12 heures qu'il est en route. Vous pouvez calculer, il est déjà... 15 heures passées. On a dépassé les 15 heures pour la journée d'aujourd'hui, mais il n'est toujours pas arrivé à la grande place de la Poste. Vous nous annonciez tout à l'heure qu'il est à hauteur du carrefour. Ça veut dire qu'il y a facilement encore autour de 5 km pour atteindre la grande place de la Poste. C'est pas évident qu'il arrive avant 16 heures. En tout cas, c'est pas évident. Au rythme, parce qu'on essaie de pousser, mais la population veut le saluer. Il faudra dire que c'est toute une ville qui s'arrête pour saluer, pour accueillir ce grand, on peut même dire que c'est le plus populaire des politiciens congolais. Alors, Ogui, décrivez-nous un peu la qualité des personnes parties l'accueillir. Parce que généralement, il y a des petites polémiques autour de ça. On dit, non mais, ils ont vidé les marchés, ils ont pris les vieilles mamans, les autres pigeons. On sait que Moïse n'est pas en fonction. Tout de suite, on sait que c'est forcément de l'adhésion populaire. C'est quelle qualité des gens qui sont allés accueillir Moïse? Quelle catégorie? Quel type d'âge? Je pense que c'est tout le monde. Parce que, comme vous le voyez, quand vous tournez dans la ville, en tout cas, la mobilisation n'a pas été obligeante. C'est vrai, les formations politiques, la Mouka, les partis politiques de la Mouka ensemble et tout, se sont organisés. Il y a même des associations. On a vu les associations des handicapés qui se postent quelque part pour l'accueillir. Même à l'aéroport, il y avait une délégation. Donc voilà, des gens qui se reconnaissaient en Moïse Katumbi, en ses actions surtout. Et ils se sont dit c'était une occasion qu'il ne fallait pas rater. Il fallait quand même saluer son retour. Nous savons voir sur les images un peu de sa réaction, mais vous pouvez nous décrire aussi l'attitude de Moïse quand il voit autant d'adhésion à sa cause, quand il voit autant de monde. Il est comment? Il est comment? Vous le décrivez comment? C'est un Moïse Katumbi ému. Oui, beaucoup d'émotions, oui. Fou de joie. Je dirais, c'est quelqu'un qui retrouve sa grande famille. Après 3 ans, c'est pas facile. C'est vrai, il y a le téléphone, il y a les appels vidéo, mais le contact physique, je pense, est très important. C'est quelqu'un d'ému et moi je préfère plus parler des gens qui sont venus l'accueillir.
En tout cas, c'est... il y a des gens qui pleurent. Alors, ce qui m'a fait rire dans le cortège, il y a deux filles qui m'ont franchement épaté. Alors, de la distance entre CRA et Express, ces filles, quand elles saluent Moïse, moi j'étais sur une Jeep de la police, elles avancent plus vite pour aller se poster à un autre endroit pour le resaluer. Et moi j'ai compté, ça fait quatre fois. Franchement, c'était... Et il faut voir la population, c'est une population qui est en train de communier avec ce grand personnage, ce grand politicien. À mon avis, qui devient plus populaire qu'avant. Alors, Ogi, une toute dernière question avant qu'on ne vous libère. On sait que vous avez couvert un très long parcours de cet homme au chapeau melon, chapeau blanc, qui salue la foule. Le côté sécuritaire, c'était la grande crainte. On craignait des débordements. Mais sur l'ensemble du parcours que vous avez fait, tout se passe bien. La police est plutôt loyale, coopérative, sérieuse. Il faudra dire que la police est saluée par la population. De temps en temps, la police reçoit des coups, c'est-à-dire des mots. Hein, quand vous passez quelque part, il y a des gens qui disent « lacrymogène, maille !» En fait, pour voir l'arrivée de Martin Fayoulou, par exemple, à Lubumbashi, quand l'espace politique était très fermé, alors en leur... En fait, ce qui est beau, c'est pratiquement les mêmes éléments de la police qui fermaient l'espace politique. Et ce sont les mêmes policiers, en fait, qui sont au service... au vrai service de la population. Et je pense que la police fait bien son travail. Il y a la JUNAFEC. Les jeunes des partis politiques sont également là. Ils sont mis à contribution. C'est d'ailleurs eux qui font la grande ceinture. La police n'est pas très proche de Moïse Katumbi. C'est très symbolique. C'est pour dire qu'il est l'homme du peuple et que sa sécurité dépend aussi de la population. Il y a la JUNAFEC. Et il y a des images fortes. Il y a, comment on l'appelait, il y a Yannick, il y a Pomba qui ont croupi à Makala. Au fait, c'est... Bon... Ces jeunes qui ont passé 3 ans au Niouf pour avoir été agents de sécurité de Moïse, qui reviennent également. Qui reviennent et qui font leur travail, qui sont vraiment dans leur domaine de prédilection. Donc moi, je pense que le côté sécuritaire, l'essentiel a été fait. Merci beaucoup, Ogi. On vous retrouve avant la fin de la journée parce que le parcours est encore long. Vous rentrez fortement sur terrain. Oui, je suis à la disposition de ma rédaction. De ce live. Oui, merci. Salomon Vimach a un petit résumé à votre intention. Oui. Tout s'est bien passé du côté sécuritaire. La jeunesse des différents partis politiques s'occupe d'encadrer le cortège et la police se trouve en deuxième ceinture. Il n'y a donc pas eu de débordement. C'est un Moïse ému que... évidemment, on le voit sur ces images. Ogi Kassongo a vu. Oui. C'est une... Regardez cette image. Absolument. Là, une population constituée... Ceux qui ne voulaient pas manquer l'événement, qui ont tout simplement... Tout le monde est venu. Décidé de monter. Absolument. Sur absolument. Cet arbre. Et sur des maisons même. Et voilà. C'est plutôt une très grande foule qui l'accueille. Et nous en avons encore pour minimum une heure, au cas où ils accéléraient un peu le mouvement, pour nous rejoindre jusqu'ici, Salomon. Allez, nous allons continuer ce live avec les invités qui viennent. Vous pouvez nous rejoindre si vous êtes à Lubumbashi, pourquoi pas, ici à la place de la Poste pour parler avec nous. On a un opérateur culturel, on m'a dit un animateur culturel qui va se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. On vous appelle comment ? Dieudonné DX. Alors, Dieudonné, animateur. Comment vous vivez ça ? Vous vivez Pardon ? Cet événement ? Comment vous vivez ? Les impressions sont visibles à la portée de tout le monde. Donc, c'est-à-dire, il faudra dire que ce sont des impressions positives. L'arrivée de Moïse Katumbi Tshapwe ne laisse personne indifférente. Là, il faudra le reconnaître et peut-être dire non à son arrivée. Pour moi, c'est vraiment un péché parce que c'est un homme qui a eu à transformer cette ville par ses multiples et ses actes innombrables qu'il a eu évidemment à poser. Alors, je pense qu'il est vraiment d'intérêt pour tout Louchois qui se respecte à l'attendre impatiemment et à participer évidemment à cet arrivage. D'ailleurs, qui s'est défini par cette foule immense qui n'est pas vraiment à compter. Alors, un tout petit mot, un tout dernier alors, un petit mot avant que je ne prenne encore d'autres invités. Qu'est-ce que vous lui dites maintenant qu'il est revenu
qu'est-ce que vous attendez de lui, vous qui êtes dans ce domaine culturel, dans ce domaine des médias? Bon, bien sûr que oui, ce qu'il faudra dire, c'est un monsieur qui a laissé en chantier l'évolution positive de la culture, ça c'est sûr. Alors dès qu'il revient, donc comme il est revenu en séjour, nous sommes persuadés qu'un changement positif va encore s'observer davantage dans ces domaines. Alors nous n'avons qu'à lui souhaiter bonne arrivée et surtout merci qu'il soit venu. Merci à vous également d'être passé sur ce plateau. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. Jules, une grande dame à côté de vous. Une grande dame, et on est content de la voir d'ailleurs sur ce plateau. Bonjour Andy madame. Andigra Mireille Nawej. Bonjour. Alors madame, on vous sent ému? Très ému. Et on voudrait bien que vous puissiez nous dire ce que vous ressentez en ce moment. Pour dire vrai, d'abord c'est une grande émotion. En fait, je sais pas, j'ai un mélange des mots maintenant là. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Moïse est un phénomène. Moïse est. C'est tout un phénomène. Moïse est. En fait, ce que je vois aujourd'hui, pour être sincère, je suis née dans cette ville, j'ai grandi dans la ville de Lubumbashi. C'est du jamais vu. Oui. Moïse est le bien-aimé des Louchois. Moïse est le bien-aimé de Haut-Katangé. Moïse est le bien-aimé de tous les Congolais. Moïse, en fait, Moïse, c'est grave. Moïse est un phénomène. Je l'appelle phénomène, le phénomène Moïse. Vous étiez à l'aéroport? Je n'y étais pas. Je suivais à la maison. À un certain moment, je me suis dit que je vienne rejoindre les autres ici, à la place ici. Mais bon, ce que je voyais... C'est ce que je recevais comme photo, comme image, ça m'a tout simplement laissé stupéfaite. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on a envie de dire aux femmes particulièrement? Parce qu'on voit aussi dans les foules qui sont en train de suivre le cortège, ouais. Il y a des dames. Beaucoup de dames. Moi personnellement, si aujourd'hui les gens me connaissent par le nom d'Andigra, j'existais. J'ai fait le journalisme à l'université, mais il fallait que Moïse vienne pour que je sois connue. Alors c'est quelqu'un qui peut faciliter, qui a cette volonté de donner du travail et aux femmes et aux hommes. Chez Moïse, il n'y a pas de femmes. Nous avons travaillé comme des femmes, mais on était confondus, on était mélangés aux hommes et il n'y avait pas cette discrimination. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, franchement, je suis tellement ému que les mots sont en train de m'échapper. Mais je dis que Moïse est un phénomène. Vous n'avez pas besoin qu'on vous démontre ça par un calcul pour dire que Moïse est ce qu'il est. Et parfois, les images parlent d'elles-mêmes. Les images sont en train de parler d'elles-mêmes. En ce moment même... Moïse, je veux tout expliquer voilà. Bien. Moïse, oui. Moi, j'ai dit, quand j'étais à la maison, un mot est sorti de ma bouche. J'ai dit, béni soient les entrailles qui ont porté cet homme. Moïse est un don. Moïse est une bénédiction. Il y a des hommes comme ça qu'on appelle les hommes bénédiction. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas les arrêter. Moïse a en lui une âme de guerrier. Il est tout. Il est tout. Il est tout. Je suis tellement contente et je lui dis bon retour chez toi. Vraiment bon retour chez toi. Beaucoup d'émotions dans... Beaucoup d'émotions. Dans ce que vous voulez dire. Alors, beaucoup trop d'émotions. Oui, c'est tout à fait normal. Tout le monde le connaît, même les petits-enfants, même ceux qui viennent de naître. Moïse Katumbi. Vraiment. Merci, vraiment. Merci d'être venu. Merci de me recevoir. Partagez bien sûr cette émotion avec nous sur ce plateau. Vous avez certainement pu entendre quelques bruits autour de nous. C'est le podium qu'on est en train d'aménager tout à l'heure. Pour, absolument. On va devoir prendre ce son d'ambiance oui. Là et que la caméra se balade dans la foule. On va peut-être permettre à la caméra de faire un petit tour et leur demander de monter le son. Ils peuvent monter le son pour permettre. Oui. On va vous monter, le son. Oui. Oui, comme ça, on prend carrément l'ambiance. Oui. Allez, on oui. y va. Absolument. Oui, qui met la musique. Oui, dis-lui.
Congo Lipanda.